Ok. Salutations personnelles à toutes et à tous. Commencez à partager ma vidéo. Tous ceux qui ont oreilles sensibles, dégagez. Même si on est resté one, il y a fait une vidéo là. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ok. Tout à l'heure là, il fait des boulots bien fatigués. Mais ça ne va pas m'empêcher de faire cette vidéo là. Voilà. Le titre, vous avez vu, les artistes ivoiriens ne se soutiennent pas. Voilà. Quand ils ne sont pas solidaires. Vous savez pourquoi il fait cette publication là? C'est le contraire en fait. C'est pour tirer vos intentions un peu. Vous savez. Arrivé à un moment donné, on n'a qu'à tous s'asseoir, on va appeler les choses par les noms. Quand quelque chose ne va pas, au lieu de sortir pour te faire, pour te donner un genre, ou soit pour vous faire plaire aux gens, vous allez vous appeler quand je suis artiste. Alors vous demandez là, quand tu es artiste, là, il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire artiste? Qui t'a nommé là-bas? Tu as choisi pour être artiste. Ça s'arrête là. Moi, j'ai choisi d'être couturier. Ça s'arrête là. C'est mon couture qui va me mettre à un niveau que je cherche. Donc, c'est ton métier qui est la chanson, qui est la musique. Donc, c'est ton devoir aussi. C'est ton métier. C'est ça qui te fait vivre. Donc, à quoi ça sert? Ils vont venir s'arrêter sur la toile ici pour nous dire que artiste engagé. Qu'est-ce qu'il veut dire artiste engagé? On n'a qu'à appeler le jeu par là, non? Qu'est-ce qu'il veut dire artiste engagé? Yodel Siro, qu'est-ce qu'il veut dire artiste engagé? Les fans, les artistes qui se donnent un genre sur la toile. Qu'est-ce qu'il veut dire artiste engagé? Venez en t'expliquer ici. Moi, je suis couturier. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Je n'ai fait que cousir les habits de les gens. Ça s'arrête là. Tu es artiste. Ça s'arrête là. Tu es artiste, tu chantes. Tu dis pas que tu chantes. C'est pas que tu gagnes à quoi. C'est-à-dire que tu gagnes quelque chose à manger. Ou bien, ouais, pourquoi tu es là-bas? Si tu gagnerais là-bas, tu vas arrêter. Donc, arrêtez de nous emmerder sur la toile ici. En nous disant que artiste engagé, qu'est-ce qu'il veut dire artiste engagé? Artiste engagé ne met pas. Artiste engagé, on ne condamne pas. Artiste engagé, on l'arrête pas. Siriki Diabaté, il a combien de disques d'or? Siriki Diabaté, il a combien de disques d'or? Siriki Diabaté, son parcours. Est-ce que Yodel Siro, il y a quel artiste ivoirien qui ont fait parcours? Ça dit, chemin de Siriki Diabaté. Chemin que Siriki Diabaté a parcouru. Il y a combien d'artistes en Côte d'Ivoire qui ont parcouru cet chemin-là? Venez me démontrer ça. Mais où est Siriki Diabaté aujourd'hui? Il n'est pas en prison. Ça fait 2 mois sans jugement. On n'a pas appris à se respecter. Il n'y a jamais artiste engagé. Si les artistes sont impolis, on doit les mettre à leur place. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Je ne suis pas politique, mais on va appeler les choses par leur nom. On tape le fer lorsque c'est chaud. Vous comprenez un peu? Supposons, Debarwa Lukuva a fait une publication la fin dernière. Il dit mort le Mola. On fait comment? Mort le Mola à Salvo. Venez, on va se battre bien. C'est quel pays ça là? Moro Mola n'est pas dit quoi, mais Deborah n'est pas dit ça. Il y a quel artiste ivoirien qui ont fait poste pour s'adresser à Deborah Lukunfa pour dire Deborah, stop. Tu nous coûtes cher. Arrête ça maintenant. Faut pas te mener dedans. Deborah Lukunfa, plus jamais tu vas faire des trucs comme ça. Artiste, nous les artistes, ça nous ressemble pas. Nous on est là pour dénoncer les choses, mais on ne rentre pas sur un truc direct. Nous sommes des artistes. Nous, on fait passer nos messages sur un chantant. Mais quel artiste ivoirien qui est venu dire à Debo... Champion, je suis en direct d'abord. Laisse-moi suivre une appel. Vous comprenez un peu? Il y a quel artiste en Côte d'Ivoire qui ont fait post, ou qui ont fait vidéo pour dire stop à Debo Lukunfa? Mais ce que Debo Lukunfa a dit là, il a fait l'appel à quoi? En ces babiers. Maintenant, quand ceux qui indiquent en ces babiers là, maintenant, quand ils vont appliquer maintenant son babier là, maintenant, vous allez voir ces gens là maintenant. Gens, c'est les méchants. Et c'est lui-même qui a commencé. Vous ne parlez pas de lui, hein. Mais ceux qui l'ont adressé là, quand ils vont reposter, vous allez voir ça méchant. Vrai ou faux? Debordo Lukunfa a dit la fin de l'année qu'on va se battre bien. Qui est venu dire à Debordo, stop? Il y a quel artiste parmi vous tous qui a fait vidéo ou bien qui a fait post à dire à Debordo qu'il faut stopper? C'est pas Moro Mola seul qui a mentionné son nom, c'est lui seul. C'est Moro Mola lui seul. Qui est venu garant de Bordeaux, enlève mon nom dans tes trucs.
Quand nous on gère, quand un artiste a un problème, quand nous on sort, on gère, ce n'est pas les gens qui nous disent. Il a défendu son, hein, il a défendu son image. Vrai ou faux? Mais il y a quel artiste ivoirien qui est sorti pour dire stop à Deborah? Personne. Maintenant, Babia qui l'a prononcé dans son poste. Maintenant, ceux qui vont sortir, si les gens ont appliqué derrière ça, vous allez voir qui est méchant. C'est ceux qui ont appliqué ou c'est celui qui a fait l'appel de Babia. Qui a tort? Qui on doit accuser? C'est lui qui a lancé un mot d'ordre que hein, c'est Babia. C'est lui qu'on doit accuser. Mais pour vous, c'est le contraire. Pour vous, c'est le contraire. C'est comme si quelqu'un te tape. Quand toi, tu retapes, c'est-à-dire quand toi, tu égales, c'est-à-dire quand tu rentres pour toi, c'est toi, on voit méchant. C'est toi, on voit méchant. Il a dit stop. Yodé et Siro, ils ont chanté. Président, on dit quoi? Ils ont lancé un appel, ils ont lancé un message à président. Et bien, ils posent question à président. Président, on dit quoi? Nous, on veut te parler. Président ne les a pas écoutés. Personne ne les a écoutés. Ils ont même fait promo de leur chaîne, qu'on appelle les CD. En 24 heures, ils ont fait 10 000 ventes de CD. Vrai ou faux? Il y a quel artiste ivoirien qui s'assit, réfléchit pour dire, frère Jean, sérieux, en tout cas, c'est dit la vérité, tu as dépassé les limites, tu as dépassé la borne. Quel artiste ivoirien qui ont venu dire à Yodé Siro pour dire stop, vous avez dépassé. Mais vous tous, vous avez applaudi. Vous avez apprécié. Vous les encouragez. Vrai ou faux? Vous vous aimez encore du voilà. Vous qui êtes nommé artiste ivoirien. Les artistes qui ne parlent pas les d'or. Qui n'ont même pas bon truc, mais bon trophée. Si ce n'est pas entré là-bas, c'est notre trophée. Vous ne sont pas international. Je vais vous parler quelque chose. Quand on dit artiste engagé, voici le petit là. Il a oublié son lui qui a fait foutu là. Hein, Kofi Olomide. Avant-hier, il a mis Futurine entre lui et Fally Ipupa. 10 heures du temps. Je vous dis bien, 10 heures du temps, il a fait 1 800 000 vues sur YouTube. 10 heures du temps, il a fait 1 800 000 vues sur YouTube. Actuellement, je vous parle, au lieu de combien? C'est le dé, il a mis. Au lieu de 3 ou 4. Ça fait 4 millions et quelques vues sur YouTube. C'est ça, on dit artiste engagé. Vous, les artistes des bas quartiers, même pas un communautaire, artistes communautaires, on dit ça comme ça. Vous, les artistes communautaires, vous ne serez même pas international ni national, vous êtes artistes communautaires, vous allez venir s'asseoir, on dit pour dire non, trop, c'est trop. Parmi vous tous, qui a dit à Yodé et Siro pour dire stop, vous avez abusé? Qui a dit ça? Mais ils ont lancé un message à le président pour dire, président, on dit quoi, nous on veut te rencontrer. Et ils ont quelque chose dans leur van. Et viennent voir président pour causer avec lui. Président ne les a pas calculés. Président même, c'est-à-dire, on les a aidés même pour faire leurs promos. Vrai ou faux? Est-ce qu'Ahmed Bakayoko n'a pas pris CD de Yodé et Siro pour faire leurs promos? Vrai ou faux? Il n'a pas fait? Il a fait. Mais Yodé et Siro, ils ont quelque chose dans leur van qui est bien expliqué. Vous voyez pourquoi ils ont lancé le mot de président, on dit quoi? Nous, on veut te voir. On ne les a pas écoutés. Voici la suite. Ce qu'ils ont dit maintenant, pour qu'on va les attendre. On doit les écouter. On doit les attendre. Le président est dans l'obligation pour les écouter maintenant. Premier message, président, on dit quoi? Il y a goudron partout. Il y a lampadaire partout. Mais on dit quoi? Ces messages, il a lancé. On veut te voir. Lui-même, il sait très bien. Les sévoirements là, c'est pas les bons sévoirements. Mais ils ont obligé, c'est-à-dire ils ont forcé la situation. Maintenant, il faut écouter. Écoutez ça maintenant. Comme premier, on ne sait pas écouter. Ils sont venus lancer un deuxième message. Écoutez très bien. On dit quoi? Troisième mandat. C'est un message, il lance. Bravo. Président respecte pas la loi. Voilà. Donc, c'est pour que. C'est pour qu'on les écoute. Maintenant, ces messages, c'est un appel qu'ils ont lancé. Maintenant, les appels, les messages arrivés, on les a appelés. On va les écouter. Mais parmi vous tous là, soi-disant artistes ivoiriens, est-ce que quand ils ont lancé un message pour du président, on dit qu'on veut te voir, est-ce que vous avez fait publication, vous avez fait post, vous avez fait des vidéos pour dire à Yodé Siro, votre appel, c'est pas bon, appel.
Mais quand ils vont répondre à votre appel, ça risque de vous mettre en arrêt. Ça risque de vous arrêter. Est-ce que vous avez fait ça? Les enfants ont lancé appel à leur papa. Leur papa a répondu. Vous voyez ça méchant. C'est pas méchant. C'est un message qu'ils ont lancé. Ils veulent courager, non? Ils veulent se voir. Il y a quelque chose qui est dans leur van. Ils n'ont pas pu mettre ça dans le CD, dans l'album. Donc, ils veulent le voir maintenant pour les faire des vraies propositions. Et c'est ça qui est la réalité. Président, on dit quoi? Hein? On cherche les petits baoulés. Oh, pourtant, ceux qui ont des machettes, ils sont bien identifiés. C'est pour qu'on les écoute. Donc, on les a appelés. On les a appelés. Oui, les enfants, venez, ce qui est dans vos vannes là, venez expliquer. Maintenant, ils vont s'expliquer. C'est ça qui est la réalité. Parmi vous tous, vous les artistes ivoiriens, soi-disant artistes ivoiriens, les artistes même qui n'ont même pas un petit trophée dehors, hors du pays. Si ce n'est pas Burkina qui a pitié d'eux, pour leur donner un koundé, ou soit c'est Mali, ou soit c'est Guinée, ou soit c'est Bénin qui a pitié pour leur donner un trophée comme koundé. Quel bon trophée même qui est reconnu même. On dit les Nandia font 10 heures du temps, 1 million et quelques vues, pas 24 heures. C'est ça on dit artiste engagé. Allez-y voir, Kofi Olomide, avec le petit qui avait foutu une. 10 heures du temps, 10 millions de vues, et quoi, 1 million 800 000 vues sur YouTube. Après, il a fait écran capture, il a mis ça sur la toile. Il a même fait sa promo. C'est ça on dit artiste engagé. C'est ça on dit ceux qui sont écoutés. Mais vous les soi-disant artistes, supposons Baby Philippe de Bordeaux, quoi et quoi, vous tous, vous êtes des bandes hypocrites. Depuis, ils ont commencé à brûler les biens mobiliers, quoi, les biens mobiliers, les bus, les voitures, les gens tués, etc., etc. Il y a quel artiste ivoirien qui ont fait poste de paix? Il y a quel artiste ivoirien qui ont lancé un message de paix? Il n'y en a pas. Vous tous, vous avez préféré fermer votre gueule et vous applaudissez en bas. Parmi tous les artistes ivoiriens, qui a voté? Parmi vous tous, là, vous qui faites soi-disant publication, soi-disant poste, soi-disant soutien, parmi vous tous, là, qui a voté? Venez nous montrer vos bulletins de vote. Qui a voté? Personne. Vous êtes hypocrite. Maintenant, Yodel Siro, on va le profonder. Yodel Siro dit, quoi appelle? Dakouri, Charoua, quoi appelle? Quoi, procureur maudit. Que le procureur a un parti. Procureur, mais ce n'est pas un bon procureur. Procureur à un camp. De vous et moi. Comme lui, il connaît parti de procureur. Lui-même, Yodel Siro. Quel est leur parti? Parce que c'est les deux imbéciles qui se connaissent. C'est les deux hypocrites qui se connaissent. Si Adou Richard, le procureur, il n'est pas honnête. Il a sa partie. Eux-mêmes, Yodel, comment ils ont su que le procureur lui-même en question, il a un parti pris? C'est que eux-mêmes, là, c'est les hypocrites. C'est que eux-mêmes, j'ai un parti. Pourquoi vous accuse parti de quelqu'un d'autre? Et vous, vos partis, là, on ne parle pas de ça. Maintenant, vous êtes saint. Vous êtes saint. Vous-même, d'après vous, soi-disant artiste, quoi engagé? Vous êtes artiste engagé. Maintenant, pourquoi vous. C'est-à-dire, on connaît vos partis. On connaît votre parti. C'est pas moi qui le dis ici. Je vous fais écouter ici. Voilà. Voici ça. Adou Richard. On va écouter. Mais c'est ceci. Il n'a pas de passeport. Pourquoi on lui donne pas de passeport? Voilà. Donc, Yodel Siro, ça c'est votre parti qui est là. Donc, Adou Richard n'est pas un être humain. Adou Richard ne doit pas avoir un parti. Vous dites que vous êtes artiste engagé. Soi-disant artiste engagé, d'après vous, que vous êtes artiste engagé, ou on ne vous connaît même pas. Artiste communautaire, ou artiste national, ou artiste international. Mon cul! Vous ne sont pas international ni national. Vous êtes artiste communautaire. C'est ça que vos vrais noms. Adou Richard, c'est un être humain comme vous. De la manière dont vous avez montré votre parti, il est libre aussi de montrer sa partie. Mais puis, mais c'est, il ne montre pas sa partie.
C'est la justice. La justice doit faire son travail. La justice doit faire son travail. Vrai ou faux? La justice doit faire son travail. Démontrez-nous, Yodel Siro, les petits baouleurs qui sont poursuivis. Les petits baouleurs qu'on les cherche dans, dans le campement, dans le village. Viens montrer les preuves. Tu vas montrer les preuves à la pure. Tu dois nous démontrer A plus B. Et puis les petits qui ont des machettes qui sont bien identifiées, tu vas montrer toutes les preuves. Sur un champion, ce que tu as semé, tu vas récolter. Tu as fait l'appel. On dit quoi? On veut vous voir. Maintenant, ils ont répondu à votre appel. C'est méchant, c'est pas méchant. On a encore appris à se respecter. À un moment donné, on a encore s'asseoir tous. On va réfléchir. Yodel Siro, d'après vous, que c'est les artistes engagés. Quand ils ont lancé leur message, vous tous, vous avez applaudi. Vous avez réclamé. Vous les avez réclamés. Que, ouais, que vous êtes fort. C'est ça, on dit artistes. 24 heures, ils ont fait 10 000 ventes, 50 000 ventes d'albums, de CD. Vrai ou faux? Ça ne les a pas suffi. Hein? Est-ce que même là, ceux même qui sont là, ils attendent de les manquer de respect là. Est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas pris leur CD pour vendre ça sur la toile? Ahmed Bakayoko n'a pas pris CD là pour faire promo? Ils ont dit non, c'est les artistes. Donc on doit les laisser, c'est les enfants du pays. On doit les laisser avec les gigas. Mais ce qu'ils ont fait hier, dans deux temps là, c'est ça qu'on appelle provocation totale. Provocation totale. Tu peux hurler cheval, mais fais très attention. Il ne faut pas t'asseoir sur ton nez. Ils ont dépassé la limite. Ils ont dépassé les bornes. Vous, les soi-disant artistes qui n'ont pas de trophée, les artistes mais qui font 6 mois avant de faire 500 000 vues sur YouTube. Ici, supposons Baby Philippe, que je le bats bien hier. Baby Philippe, toi t'es... Arapati Yako. C'est Yoruba qui vous donne un nom. Toi, tu es artiste aussi, toi, Baby Philippe. Donc, tu sais donner soutien. Tu sais donner force, courage. Sur ta page Facebook, je n'ai jamais vu un message de paix. Un message de réconciliation. Je n'ai jamais vu sur ta page Facebook, Baby Philippe. Ou Bonoua, et c'est traité de toutes les villes de la Côte d'Ivoire, dans les périodes d'élection. Les gens sont morts. Les voitures brûlées, même avant-hier à Yopougon, il y a eu des bus brûlés. Vous, les soi-disant artistes, quel artiste parmi vous, vous avez pris cette image pour dire non, stop, allons à la paix, à la réconciliation? Qui a fait parmi vous? Vous provoquez les gens. Quand les gens en gisent, vous voyez ça méchant. Quoi, c'est quel pays ça? C'est ça qui est là. Il dit le respect sera imposé. On va mettre des lois dans les deux autres. Je vous ai dit hier, j'ai dit montrez votre sale côté. Et c'est ça qui est la réalité. Vous-même d'abord, vous avez votre parti. Votre parti est connu haut et fort. Le prévanet, parmi vous tous, personne n'a fait, hein, personne n'a fait vidéo pour aller voter. Parmi vous tous, vous qui dites que vous êtes artistes de bas quartier, qui a voté dans la période d'élection? Personne. La seule personne que non, je connais, la seule hein, influenceur sur la toile, qu'on va dire les humoristes, les artistes, c'est bel et bien Yves Diogo. Quand j'ai vu votre publication tout à l'heure là, qu'on soi-disant soutien à Yodel Siro, je suis dit ok, c'est Yves Diogo seul. Quand j'ai vu sa vidéo et qu'on fait sa publication, je suis touché. Elle m'a donné vraiment la force, l'amour. Ça m'a montré encore que non, elle est bête dans la tête. Parce que elle, on peut la écouter. Yves Diogo, on peut la écouter. Car elle a rempli son devoir citoyen. Quand on a vu ça. Donc, c'est son devoir de plaider, hein, de plaider vis-à-vis de Yodel Siro. Pour qu'on les libère. Mais vous, les soi-disant artistes, bas quartier, artistes communautaires, pas communauté même, communautaires. Enfin, vos places, on connaît, c'est un petit parti. Respectez-nous. Soi-disant débordant le coup de foi. Il a fui pendant les élections. Vous pouvez s'asseoir à Paris. Il est à Paris là. Il a fait un conseil. Il a fait chaud. Vous le voyez dans la rue. Ce sont quels là qui est sur lui. Son message qu'il a lancé. Si mort le bois, donne le mot à ses barbiers. Mais vous le barbier à Paris là-bas. C'est là qu'il va comprendre quel artiste là. C'est un petit mouvement. Artiste là, c'est même chose quand tu es menuisier, tu es couturier, tu es mécanicien, tu es valet d'orange, tu es valet de l'eau glacée. C'est le même métier là. Tu as ton métier, on t'a aimé sur ça, c'est fini. Même Vanet de Bissap, il a aimé. Vanet de Bissap. C'est parce qu'il a aimé quand il sort
ses clients courent derrière lui. Il met derrière elle. C'est parce qu'il est aimé par son produit qu'il vend. Donc, tu es artiste, tu es aimé par son, c'est ce que tu fais. Sinon, au-delà de ça, tu n'es rien. Il n'est pas dit, c'est pas bien. Mais parmi vous tous, Baby Philippe, toi qui as fait l'ombre du secours, est-ce que tu as fait, tu t'as quand Moro Lomola est sorti pour dire stop à Debordeaux, toi tu es sorti pour dire Debordeaux, tu abuses, faire de ça. Debordeaux à Paris ici là, est-ce que Debordeaux fait conseil? Debordeaux à Paris, est-ce qu'il fait conseil? Quelqu'un va vu vidéo de Debordeaux sur la chaîne, mais il a vu pour venir s'asseoir. Et il fait grande gueule, hein, c'est Babien. Pourquoi il n'est pas resté à Abidjan pour ses barbiers là-bas? As-tu donné conseil à Debordeaux? Maintenant, quand il va agir vis-à-vis de Debordeaux, vous devez trouver ça méchant. Vous provoquez les gens. Quand les gens agissent, vous voyez ça méchant. Le respect serait imposé. Le désordre, on met de l'ordre dans le désordre. C'est ça qui est la réalité. Celui qui veut, il chante. Lui qui veut, il ne faut plus chanter. L'aide est pleine à rigolant. On s'en fout de ça. Il y a beaucoup d'artistes dans le monde. Ouais, pourquoi le monde est libre, grand. Si vous ne chantez plus, on va. Ouais, le preuve en est. Il y a plus d'artistes en Côte d'Ivoire. Ouais, pourquoi dans plein de mois de décembre, plein mois de décembre, on dit un artiste étranger, bel et bien confirmé, on dit artiste étranger, malien, Ibawan, il a son événement en Côte d'Ivoire le 20 décembre. C'est parce que vous-même là, on ne vous calcule pas. Vous êtes des bandes d'hypocrites. Vous êtes des rageux. Ouais, pourquoi on prend artiste ailleurs pour venir faire chaud dans vos propres cours? Vous êtes des faiblards. Quoi, artiste? C'est les artistes bacatiers. Apprenez à se respecter. Prenez-nous à respecter. Vous n'avez pas le droit de s'exprimer dedans. Parce qu'on connaît qui vous êtes. Vous êtes des plaisantaires. C'est ça qui est la réalité. Yodé Siro vient manquer de respect aux gens. Ils ont fait un message depuis à l'époque. On dit quoi? Frustration. Manque de respect. Parmi vous tous, soi-disant artistes, vous tous, il y a vous-même, vous tous ensemble, vous tous, femmes comme garçons, tous ceux qui font publicité sur Yodel Siro, vous tous, parmi votre page là, il n'y a jamais message de paix. Tout ce qui est là-bas, c'est des vidéos de n'importe quoi. Que ce soit femme, garçon, votre page, ce ne fait que des bêtises, des conneries de merde, des salités. Mais parmi vous tous, qui a lancé un message de paix? Personne. Yodel Siro, sabotage. As-tu dit à Yodel Siro, stop? Artiste, il faut chanter, mais pas comme ça. On dit, bon, tu as chanté, comme c'est l'album, on t'a soutenu. Ils ont laissé couler. Ce qu'ils ont fait sur la chaîne ici, ça là, c'est ma provocation. Écoutez avec moi. Provocation, pas provocation. Maintenant, les gens agissent. Vous trouvez ça méchant. C'est l'appel qu'ils ont lancé. On veut te voir. On les a répondu. Le soi-disant artiste. Écoutez bien. Voilà. Voilà, écoutez. C'est quel pays ça? Voilà. Artiste engagé. Depuis quand un artiste engagé va dire lui-même son propre pays, c'est quel pays ça là? Toi-même ton propre pays. On dit c'est chaud comme il faut jamais montrer ton village à la main gauche. Mais le soi-disant artiste de communauté, il y a communauté, et traite pays de tout le monde, toutes les Ivoiriens. Écoutez bien. Un mort, c'est un mort. On ne passe pas son temps à chercher les petits baoulets dans les villages. On est chez... Que les gens sont ici avec des machettes et ils sont bien identifiés. On ne perd pas le temps pour chercher un mort. Oh putain. On ne prend pas notre temps pour chercher les petits baoulets dans les campements. Oh, pourtant, ceux qui ont des machettes, ils sont bel et bien identifiés. Yodé et Siro, vous-même, vous les soi-disant artistes, femmes comme garçons, venez nous démontrer sur le même toit là. Les petits, ceux qui ont des machettes et puis ils sont bel et identifiés, venez les montrer.
Maintenant, les petits baouleurs qui sont recherchés là, venez montrer ça. Les preuves à l'appui. Et c'est ça qui est la réalité. Venez montrer les preuves. Donc, si Sirigui Diabaté, le méga star, il n'y a pas un artiste ivoirien au-dehors de le reggae man. Vous tous, il n'y a pas un artiste ivoirien qui est plus célèbre que Sirigui. Qui est plus suivi que Sidiki. Vous comprenez? Même Arafat, mais Sidiki est respecté qu'Arafat. Quand on vous dit pour moi, il vous dit. Si on vous dit pour moi, je vous dis. Sidiki Diabaté a mangé avec Emmanuel Macron. Sidiki Diabaté a fait couler l'âme de les blancs. Sidiki Diabaté a chanté pour les blancs. Il n'y a même pas un noir qui est dans la salle. La salle est remplie. Il y a quel artiste ivoirien qui ont fait ça? Au dehors de Salfo, à Salfo. Parce que à Salfo, bon, ce n'est pas les mêmes levels. Vous comprenez un peu? Donc, Sirigui Diabaté, là, il est en prison 2 mois sans jugement. Tu rentres dans le voie, tu n'as pas le droit de poster la photo sur la toile. Même où tu te trouves, pays laquelle où tu te trouves, tu prends photo à Sirigui Diabaté en prison, tu balances ça, tu vas recevoir une plainte et tu seras arrêté. Tu seras convoqué à la justice. La loi sera respectée. C'est de ça qu'il s'agit. Vous, les soi-disant artistes, Yodé, qui a dit que tu dors, qui a dit que tu dors, qui a quel bon trophée. Burkina, pitié. Mali, pitié. Guinée, pitié. Togo, pitié. Bénin, pitié. Ça, c'est artiste. Artiste communautaire. Vous aussi, vous avez dit que notre artiste est engagé. Vos bêtises, là, il aura faim. C'est sa fin qui a quelques mois. Tous ceux qui baiseraient, soi-disant, c'est quel pays ça, non? C'est ça qui est là. Ça sera appliqué. Sa application. Bande de plaisantins que vous êtes. On n'a qu'à apprendre à se respecter. Ne provoquez pas les gens. Et vous êtes venus s'asseoir pour les manquer de respect. Quand quelqu'un provoque, vous qui dites que non, vous êtes des savants, vous êtes des artistes là, vous sortez, non? Dites, hé, tu es artiste, mais tu as abusé. Tu es artiste, mais tu as abusé. Stop. Respect. Artiste là, c'est pas comme ça. Tu as chanté ton album, ils ont apprécié 24 heures, 50 000 ventes CD. Et même ils ont pris, ils ont fait promo de ça. Ça ne t'a pas suffi. Tu t'avais encore sur la chaîne. C'est appel, non? C'est appel. Donc tu as fait appel, non? Qui ne va pas t'écouter, non? Ils t'ont écouté. Maintenant, eux, pour t'écouter là, tu connais là-bas. Donc où tu es là? C'est là-bas, c'est Palema. Où ils sont actuellement là, c'est Palema. C'est pas prison, c'est pas garde à vie. C'est Palema de les présidents. C'est Palema de les boss. C'est Palema de les artistes engagés. Allez-y, vous parlez là-bas. C'est Palema. Donc, ne nous emmerdez pas ici. Un artiste aussi qui est trop fier, qui veut le jeune là-bas, fait même bêtise là, tu vas le jeune. Pour être artiste, ça ne veut pas dire que manque de respect. Il a chanté, président, madame la présidente. Elle prend le panier pour aller faire marcher à Paris. Madame la présidente, il y a marché à Bobo. Quand tu as dit ça là, mais tu n'as pas dit là-bas que non, que les petits bêtés, hein, ils sont à chercher les petits doulons ou bien les petits bêtés sont bien identifiés. Tu n'as pas dit ça. C'est une provocation. Parce que tu sais très bien que Babo, elle est côté Babo là. Population Babo, ça dit peuple Babo, et ils ont pris leur calme, ils sont assis serrés. Maintenant, comme c'est Bédier qui est un peu chaud là. Donc, c'est une manière de remonter les baoulés. C'est une manière de remonter les baoulés. Si tu envoies, Baba vous a dit, soit on vous envoie, ça va t'envoyer. On vous envoie, non? Vous allez savoir, vous allez comprendre comment il faut s'envoyer. Baba vous a dit, quand on vous envoie, ça va vous envoyer. C'est une manière de remonter les baoulés. Maintenant, elles vont s'énerver, elles vont se lever, mais ça sera une autre guerre civile en Côte d'Ivoire. Mais d'ici, guerre civile va arriver là. Toi, tu vas en soumis. Tu vas en soumis. Pourquoi tu n'es pas dit? Pourquoi tu n'as pas dit, ils sont là chercher les petits bêtés. Ils sont là chercher les petits bêtés. Oh, pourtant, ceux qui ont des machettes, ils sont bien identifiés. Pourquoi tu n'as pas dit, tu sauves la peau des petits bêtés. Tu sauves la peau des petits bêtés. Tu n'as pas dit petit bêté, c'est petit baoulé. C'est quel petit baoulé qui est recherché? Pourquoi as-tu pas dit les petits bêtés? Baba c'est un bété. Moi-même, ma mère est bété. Pourquoi tu n'as pas dit les petits bétés sont recherchés? Oh, pourtant, ceux qui ont des machettes, ils sont bien identifiés. Là, je viens comprendre. Mais pourquoi tu protèges le peuple Babo?
tu protèges peuple, hein? Tu sais, tu protèges votre image et tu es en train de pomper les baoulés et vont s'énerver mais contre le douleur, ça sera maintenant catastrophique. Mais tu vas en soumettre, tu es au parlement. Je suis tellement content, tellement fier que tu es au parlement, parlement dans parlement et vous allez vous parler. C'est ça qui est la réalité. À bon attendez, salut, c'est le gouverneur 5 étoiles allemand le plus daré. Les soi-disant artistes sur ta page Facebook, moment que les voitures des gens, les bus, que vous-même vos enfants rentrent dedans pour aller à l'école, les marchés, les magasins brûlés, tous les trucs détruits, aucun artiste ivoirien n'a fait poste. Vos soi-disant Baby Philippe, soi-disant De Bordeaux, soi-disant Vital, soi-disant Kérosène, si ce n'est pas Beno, lui seul, Beno, Serge Beno, lui seul, qui a fait sachant de la paix, si ce n'est pas lui. Toutes les autres, c'est les soi-disant artistes communautaires. Il n'y a pas un qui a fait publication sur sa page pour pouvoir faire l'appel à la paix. De Bordeaux m'a osé de fuir pour venir s'asseoir en France. Pour gueuler, comment c'est pas bien. Maintenant, quand ils vont pas bien De Bordeaux, vous allez sortir demain pour dire quoi? C'est De Bordeaux qui a la faute ou c'est ceux qui vont agir? C'est eux qui ont la faute. Donc, dès maintenant, De Bordeaux m'a fait notre post publication tout à l'heure. Donc, c'est maintenant, montrez votre fidélité, votre sincérité, votre amour. Faites message, dis à De Bordeaux, t'es que tu te mêles là, enlève-toi dedans. C'est ça on dit soutien. Moment que ton frère n'est pas encore tombé dans la boue, il faut lui sauver. Ne laissez pas, moment qu'il s'est déjà noyé, tu as venu t'arrêter, que tu vas l'enlever. Tu mens. De Bordeaux, il est là. Il est à Paris. Comment un artiste vient en Europe? Tu ne peux pas vivre l'Europe. Tu ne peux pas vivre en l'Est. Arafat, quand Arafat vient en Europe, il fait sa vie. Tout le monde voyait dans les vraies vies de luxe. Mais lui, il est caché. Il est dans la maison, c'est-à-dire il est au milieu des 4 mètres carrés, il ne sort pas. Personne ne me bat bien là. Moi, je vais toujours appliquer ça. Et les gens vont écouter ça. Et puis, ils vont le battre bien aussi. Et c'est ça qui est la réalité. Maintenant, De Bordeaux a fait ça. Quel artiste a dit stop? Mais ceux qui veulent battre bien là, maintenant, quand ils vont reposter, vous allez trouver maintenant que c'est ceux qui ont répondu à l'appel de Bordeaux, vous allez dire que c'est eux qui sont méchants. Mais répondez à vous, êtes malhonnête. Vous voyez pourquoi? Les artistes ivoiriens, ils vont limiter en Côte d'Ivoire. C'est entrer là-bas, ils vont faire foutre. C'est entrer là-bas, ils vont faire les tournées. C'est entrer là-bas. S'ils sont trop partis, si c'est trop, c'est France. S'ils sont trop sortis, c'est France. Et puis pour dire foutre là, peut-être les artistes burkinabés ou les artistes maliens ou les artistes guinéens, ils peuvent faire foutre. Ils n'ont même pas qu'air pour faire foutre avec les Nandjas, les Nigériens. Ils n'ont pas qu'air de ça. Artistes communautaires. Vous aussi, vous êtes un coco parti, soi-disant. Parce qu'on a pitié de vous. On n'a pas mis de bout de construit. Vous pensez que vous êtes trop artiste. Tu es artiste là, puis quoi? Tu as choisi d'être artiste. Tu as choisi de chanter. Ça s'arrête là, basta, mon frère. Même il varait de l'eau glacée, il est aimé. Mais quand ton eau glacée est intéressant, quand tu prends ton eau matin, ils vont t'appeler. Oh, petit Seigneur, Didi, viens, viens. Souvent, ils vont laisser première partie, ils vont t'attendre. C'est pas que ton lot est bon. Et puis ça s'arrête là. Le jour, tu ne vas plus loin. On s'en fout de toi. Donc c'est même chose comme artiste. Tu chantes, c'est parce que les gens ça les plaît. Tu chantes plus, c'est fini. Vos soi-disant De Bordeaux, il ne chante plus. On fait quoi avec lui? On s'en fout de lui. On s'en bat de lui. Il ne casse pas faire foutre. Ça s'arrête là. Je suis vidéoman. C'est ma vidéo qui fait que. C'est ce qui sort de ma bouche. C'est ça qui fait que vous me suivez. Logique, j'arrête de faire des vidéos. C'est fini. Vous s'en foutez de moi encore. Ça s'arrête là. Donc, le cas, c'est respecté. À un moment donné, le cas, c'est respecté. Quoi, artiste engagé? Soi-disant artiste ivoirien. Il y a quel artiste encore de voir? Quel bon artiste qui a conquéré le monde? À part Arafat. Dans l'histoire, qui allait conquérir le Congo. Il y a Gabon, le Congolais. À part Arafat, qui a fait ça? Petit Nigérien, même là. Petit Davido, qui fait Abidjan, Nigeria, là. Vous n'êtes pas capable de faire tout avec lui. Quand on dit artiste engagé, 10 heures du temps, fait 1 million de vues. C'est ça on dit artiste engagé. Arafat a fait ça. 10 heures, 24 heures. Arafat même, c'est pas artiste engagé. Arafat a fait 24 heures, 20 millions de vues. Fali Poupe, quoi on appelle? Kofi Olomide, avec le petit Nigérien là. Je dis bien, 10 heures du temps.
disait du temps 1 800 000. On dit le combien? C'est sorti le premier ou bien le D. On dit c'est le combien? Le 3. Il a 4 millions et quelques. Après, il fait crac, mais là sur la toile. C'est ça, on dit artiste engagé. Vous, le soi-disant artiste même qui font un an avant de faire 1 million, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Toi, Baby Philippe, quel bon artiste. Tu as 1 million d'abonnés sur ta page. Tu te mets en direct, tu as 200. Si c'est trop, c'est 200. Souvent 80. Moi-même, je suis plus subi que toi. Parce que tu as dit que tu es artiste, soi-disant. Peut-être que vous nous respectez là. Mon nom, fuck. Je m'arrête là sur le gouverneur 5 étoiles et le malopi d'arrêt. On se dit le mot. Ciao, ciao.